Jawaroa a deux vies. Le week-end, chez lui, dans la forêt amazonienne, le reste du temps, en ville. Élu en 2016, il vient toutes les semaines ici au conseil municipal de Pedra Branca, la commune la plus proche de son village. C'est le premier conseiller indien de la ville. À chaque fois, il se réadapte aux coutumes locales. Je dois obéir aux règles de la ville et vivre avec de l'argent. Ici, il faut tout payer. Chez nous, au village, tout est gratuit. L'eau, le feu de bois, la nourriture. Des concessions que Jawaroa estime aujourd'hui indispensables pour défendre la cause des Wayampi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de lutter avec des flèches ou des armes. On doit lutter unis avec nos connaissances, avec la politique. On doit savoir ce qui se passe au niveau national et mondial. De retour au village, Jawaroa redevient peau rouge. Comme le veut la tradition, sa femme l'enduit d'urucum, ce fruit d'Amazonie qui a toutes les vertus. C'est comme cela qu'on protège notre corps. C'est bon pour la santé et cela nous protège aussi des mauvais esprits. Quand il revient auprès de sa tribu, Jawaroa échange par radio les dernières nouvelles avec les autres villages. C'est ce qu'il a fait le jour où le gouvernement Temer a publié un décret autorisant l'exploration minière sur leur territoire. Décret par la suite abrogé. On n'était pas au courant du décret de Michel Temer. Personne ne nous en avait parlé. Et comme il est au conseil municipal, il est informé et il nous a ramené cette information qui nous a surpris. C'est pour cela que c'est important qu'il nous représente au conseil municipal. Pour défendre son territoire et sa culture, Jawaroa sait qu'il faut avant tout la transmettre à ses enfants. Mais il ne cache pas son inquiétude quant à leur avenir. Je suis inquiet. J'espère pouvoir les voir grandir pour les surveiller. Parce que s'ils s'en vont habiter hors du village et qu'ils finissent par aimer la ville, ils n'aimeront plus la culture du peuple Wayampi. Pour le moment, les tout petits Wayampi ne se posent même pas la question. Leur choix est fait.